Ces bessinctiments tournent vers l'intérieur ou enferment dans la propriété maintenant divisée, ont été mis en place par Charles Armand Marie de Queuranflèche vers 1840, et l'on peut dire que l'on a, elle, le siège social d'un aménageur lucide et clairvoyant, d'où partira l'histoire de Carnac, plage tournée autour de la propriété, privé point. Visile pro, les murs d'enceinte sont d'origine. Derrière un des piliers de l'entrée, là qui se trouve avenue du Palu, un imposant cupressus, près de 5 mètres de palu circonférence pourrait dater de la première occupation des lieux d'abat pour la mise en vente des biens de M. de Queuranflèche. En 1849, le Dex notaire décrivait la ferme du Palu comme étant le siège d'une vaste exploitation agricole, industrielle et commerciale, avec belles maisons d'habitation, vastes écuries, belles granges, divers logements et bâtiments d'exploitation dans une cour close de murs, avec marais salants et salines en magasin sel, caserne pour la douane, part à réservoir et vivier, un port, avec grandes étés, haine labourée et labourable. 111 La vocation de 2.i, il virgulite. Non, comme il y est dit, agri, r, pr, i, pécole, industrie, m, i, à chaque l'UM de Queuranflèche avait, par des travaux conçus virgule grade ncn terrainement en effet, lorsqu'M de Queuranf, 7, PEAGE, Morbihard. La grande avenue des Druides, avec les villas Gallo à but renseignement le souffourte pour la location et la mute des villas et les terrains le départ de la randonnée SC fera à l'office de tourisme de Carnac plage, 414, sur le plan de possibilité. Se rendre PR.5 de la propriété du Palu, haut y prend pied fitoire de Carnac plage, monter directement en boulevard de la plage, où il l'on trouve la plupart des villas, solution qui écourte la promenade. Pour se rendre en Palu, prendre l'allée des alignements et la direction du bourg, laisser l'avenue des Soleils la chapelle, tourner à gauche à l'avenue suivante, l'allée de Cornouailles. Au bout de celle-ci, vous débouchez dans l'allée des Menhirs et face au bâtiment qui, autrefois, constituait la ferme du Palu. Ces bessinctiments tournent vers l'intérieur, ou enferment dans la propriété maintenant divisée, ont été mis en place par Charles Armand Marie de Queuranflèche vers 1840, et l'on peut dire que l'on a, là, le siège social d'un aménageur lucide et clairvoyant, d'où partira l'histoire de Carnac plage tournée autour de la propriété, privée vie pro, les murs d'enceinte sont d'origine. Derrière un des piliers de l'entrée, elle qui se trouve avenue du Palu, un imposant cupressus, près de 5 mètres de pâle circonférence, pourrait dater de la première occupation des lieux d'âge bas pour la mise en vente des biens de M. de Queuranflèche. En 1849, le deux notaires décrivaient la ferme du Palu comme étant le siège d'une vaste exploitation agricole, industrielle et commerciale, avec belles maisons d'habitation, vastes écuries, belles granges, divers logements et bessinctiments d'exploitation dans une cour close de murs, avec marais salants et salines, magasins sel, caserne pour la douane, par huîtres, réservoir et vivier, un port, avec grandes étendues de terres labourées et labourables. La vocation de cette exploitation est bien, comme il est dit, agricole, industrielle et commerciale de 155 hectares que M. de Queuranflèche avait, par des travaux considérables, pratiquement retiré à la mer. En effet, lorsqu'M. de Queuranflèche acheta et même de Talleyrand peu rigor ses domaines, l'état des lieux est tout autre. On peut l'imaginer facilement, au sud, la mer, longeant scellée sur toute la longueur de la plage, une dune formant bourrelet et, cinq l'arrière de ses cordons dunaires, des marais, des palus que la mer inondait à chaque marée par un étier qui prenait naissance du COT et de Baumé s'étirait jusqu'au palu du Brenneau, le jeu des terres inondables donc, veines et vagues, disait-on, et auquel étaient liés des usages immémoriaux tels le page cincturage et le motoyage, les paysans y prenaient des mottes pour renforcer leurs terres faibles points. M. de Queuranflèche a fait à Carnac un court passage. Ses premières acquisitions datent de 1839.11 et de ceux dans 1847, AL5G de 44 ans, mais il y devait avoir des idées plein la tête et une confiance sans y faillant ses projets à ce chemin pour mettre sur le terrain, en si peu de temps, tant de réalisation. Personne, jusque-là, n'avait construit si près de la mer. À son dessus, ses 5 enfants sont mineurs, et la belle terre de Carnac est vendue et revendue à plusieurs reprises, mais tout laisse à penser que,
Pendant bien des années, elle souffre d'un manque d'entretien en 1861. Monsieur Deligny se porte accreur des salines du Brenneau et de ce qui, autour, tourne ses activités vers la mer, part à Huîtres, Viviers, caserne pour la douane, magasin à sel, port, CA. Dire toute la partie qui se trouve à l'est du chemin du Bourg-Port Andrew en 1864, la ferme du Palu, avec tous ses bâtiments et dépendances et toutes les terres issues des palus de Kerlois, Kerallan, Kerguelec font l'objet immobilier. Ils sont mis en vente par le tribunal civil jusqu'à sa mort en 1897, exerçant son métier de marchand de pieux et pratiquant l'élevage, marchand de biens aussi, à l'occasion. À cette époque, le succès de l'exposition universelle de 1889 démontre l'attrait des voyages par le chemin de fer, tandis qu'évolue l'idée de villégiature dans les stations balnéaires qui deviennent à la mode. Déjà, à Quiberon, le 23 juillet 1882, on a fait, avec Fast, l'inauguration de la ligne Auray-Quiberon. À la fin du banquet, le conseiller général du canton, qui n'est autre que le docteur Grécy, maire de Carnac, déclare dans son discours, aujourd'hui, par la concorde, la paix, l'union, Quiberon à sa station de chemin de fer. De riantes maisons de campagne s'élevant partout sur cette côte autrefois déserte, et ce n'est que le début. Ces circonstances et la rencontre de deux hommes, sur le bateau de Eve Belle-Île, dit-on, vont déterminer l'avenir de Carnac. Plage Silla et Monsieur Georges Payot, banquier et homme d'affaires parisien, elle qui revient de Belle-Île aussi, y était à l'étudier un projet de construction de chemin de fer, justement l'autre est Monsieur de Zirjamais. Entrepreneur de travaux publics, il est du pays de Plouarnel. Avec son frère, Ange, il vient de terminer la construction des abbayes de Kergonan. Monsieur Payot est assez vite conquis par l'idée qu'avance devant lui Monsieur Jamais, la mise en place d'un chemin de fer qui, en desservant la plage de Kerlois, c'est-à-dire la grande plage de Carnac, permettrait le développement d'une station balnéaire et Vovigro WR Urdaect Freusé-Kaeuk-Lovioa. Se joint à eux, Monsieur Louis Luneau. Récemment, il a fait son étude de notaire et il évolue avec aisance dans le monde des affaires. Il y achète, vend, invente, trouve des marches et prend des actions un peu partout. La construction d'un chemin de fer, des villas à édifier, des affaires faire, voilà de quoi satisfaire ces personnes entreprenantes qui visent de fructueux investissements. Et, justement, la ferme du Paluel a avec ses terres qui comptent encore 91 hectares le long de la grande plage. Monsieur J. éclose dans 1897. De ses descendants qui occupent encore le Palu, Georges Payot et Désir Jamais obtiennent une promesse de vente en février 1899. Le temps de réunir des actionnaires, dont Payot, Jamais et Luneau seront les plus gros, d'élaborer des statuts, de nommer qui de droit et les 28 et 29 novembre 1899, ils vont, devant Maître Marquet, notaire à Carnac, créer la société anonyme de Carnac, plage, faire l'acquisition des biens du palu et créer la société anonyme du tramway et telle la Trinité-sur-Mer. Immédiatement, ils vont à Mana Premier l'espace, lotissement, circulation, plantation, commencer la commercialisation des lots. Le plan que vous avez sous les yeux a été dit, vers 1905, par la Société Anonyme de Carnac Plage LL est le reflet de son projet et d'aménagement. Le reflet aussi d'un urbanisme déjà bien pensant de RS longtemps en vigueur et il nous présente les villas à la recherche desquelles nous allons partir maintenant la hâte par l'avenue Mine, gagnant le boulevard de la plage. À l'angle de l'avenue des Druides et de l'avenue Mine, se trouvaient les villas Emilia et Jeanne d'Arc. L'une des lettres représentées sur le plan E, la reproduction de la carte postale donne une idée de leur prestance. Demolie, l'une comme l'autre. La Villa Emilia a longtemps été la résidence du docteur Saint-Martin qui attend s'œuvre pour la renommée de Carnac. Avant, 101 ne construisent, sur les lots 18 et 70 du plan, une villa digne de Le Corbusier, en 1924. Demolie aussi, d'ailleurs, est remplacée par la résidence de la plage. Point virgule 15, virgule point virgule virgule F, TR. De la carte postale donne une idée de leur prestance. Demolie, l'une comme l'autre.
La Villa Emilia a longtemps été la résidence du docteur Saint-Martin qui attend s'œuvre pour la renommée de Carnac. Avant, 101 ne construisent, sur les lots 18 et 70 du plan, une villa digne de Le Corbusier, en 1924, démolie aussi, d'ailleurs, et remplacée par la résidence de la plage. .15, .F, TR, Ali de Bouchamp Saint le boulevard, puis aux Irouvant la ville Avenotia, et aux deux avenue Milne actuellement, en bordure de l'avenue du Cromlech sur le plan de 1905. Bien modeste âge code de sa voisine la Corrigane, qui ne figure pas sur le plan puisqu'elle ne sera édifiée que vers 1914 par les frères Jameil pour le comte de Dozier. Pour répondre à un besoin de lumière et de soleil, la toiture de Nélecia, en tuiles à l'origine, a été quelque peu éventrée, mais le volume du bâtiment y reste. La carte postale ancienne montre une façade bien équilibrée, aux ouvertures symétriques et aux jolies lucarnes. L'aspect décoratif se trouve dans l'arrangement de briques sous les appuis de fenêtres, les linteaux en arc segmente et le discret décor des corniches. Deux épis de faîtage, en zinc ou en terre cuite, viennent en reprendre le rythme des éléments haut de la toiture, cheminée H de corps de briques et lucarnes. Les murs sont crépis et l'on remarque l'absence de chaînage aux angles de la maconnerie. La Villa Véloda a pu prendre place sur la dune en 1904. C'était la propriété de M. Daniel Le Boucher des Parcs, emploi de banque, demeurant à Paris. L'y est ensuite entré dans les biens des deux tenteurs des Salinés et resté un certain temps, M. Gombert, M. Amand. Est-ce une réalisation jamais? Sans doute. Tout près de là, en allant vers l'Ais, la Villa Les Murets peut être la plus ancienne villa du boulevard. En tout cas, elle a été construite sur un terrain acheté directement au Consorgi, en avril 1899. Avant la création de la Société Anonyme de Carnac Plage, acquisition faite à la condition spéciale de faire édifier une maison d'habitation dans l'année, elle devait donc être terminée en 1900. Terrain acheté par M. Charles Keller, industriel de Nancy et grand ami de Zachary Le Rouzic à qui il a apporté aide, soutien, protection et assistance technique lors de l'importante campagne de fouillot Tumulus Saint-Michel de 1900 à 1906. Une grande amitié unissait les deux familles, ainsi qu'en témoigne la correspondance relevée au dos de la carte postale représentant la Villa Les Murets, de nommée Villa Keller. Construction des frères Jameil sans aucun doute, car on retrouve le style pavillon, hissé la chautellerie des abbayes de Kergonan. À toiture de tulle, le B5-timant d'origine se clevine encore, l'extension cubiquet, ou NSCIR, beaucoup plus récente. En faisant également abstraction de la véranda, le volume ainsi est pur, avec une aile légèrement avancée E, son soubassement de granit, ses quelques marches d'axage la terrasse, son balcon de bois, le volume d'origine, donc, avait de l'équilibre. Les briques, dans un arrangement de blanc-rouge, qui se retrouve au linteau en arc des ouvertures, aux corniches, aux angles des différents volumes de la construction. Apporte un décor dans la façade enduite qu'habille les contrevents de bois, à remarquer qu'on a le même décor de briques sous la lucarne, qu'à la Villa Véloda. Plusieurs pentes OITQT, W26, layé un épi de faîtage en terre cuite joliment travail. Plus tard, la famine Keller sera attirée par la pointe de Saint-Colomban, partie bien, elle y réinvestira et construira plusieurs B5-timants. Mais la Villa Les Murets restera longtemps leur bien de famille, jusqu'au dernier descendant. Sans quitter le boulevard, jetons un coup de seuil vers le nord et recherchons sur le terrain le bâtiment que mentionne le plan, en bordure de l'avenue de Poran. Drouille a eu pour origine la villa que montre la carte postale, car jolie villa à étage carré avec une grande cheminée, dit parue, émervant de la façade donne le plan, en bordure de l'avenue de Poran. Drouille a eu pour origine la villa que montre la carte postale, Ker jeuni de point villa H étage car, avec une grande cheminée, dit trois rues, émergeant de la façade idem virgule à être construite par la famine d'un négociant de Vannes. Commerçant et détenteur d'une propriété foncière importante, M. Jules Rochard, à Vannes existe encore, autour des cliniques Sainte-Claire et du Sacre-Cœur, la cite Rochard, dès 1899. Monsieur Jules Rochard s'est porte-acreur de plusieurs parcelles mises en vente par les consorgies. Et la villa que nous observons devait être terminée avant ou 1900, elle a été baptisée Ker Eugénie.
Si, à Retage, LIDAS de Carnac, plage 11111.111111111111, avait un balcon en fond de tresse travail, courant d'une belle autre, la construction forme un bloc sans grande fantaisie, type maison bourgeoise de petite ville de province, couverte en ardoise. La vraie façade était tournée vers est, vers le soleil levant, s'y trouva d'ailleurs 11 la porte d'entrée. La grande cheminée, ITT qui devait desservir depuis sa feu est en pignon. La cheminée est enduite, comme le reste des murs, on y remarque, toutefois, des chaînages en granit, ainsi qu'aux angles de la construction principale. Et y avait aussi été apposée, plus tard, la plaque d'identite. L'architecte et l'entrepreneur demeurent inconnus, mais la taille des pierres des chaînages et ouvertures n'est pas celle des frères jamais. En 1912, Monsieur Rochard a mis la villa en vente, et celle-ci a été acquise par Monsieur Marie-Antoine Bert, qui n'était autre que le curé de Notre-Dame de Lorette à Paris qui, lui-même, la cédera en 1922, contre une rente viagère, à la Société Anonyme Immobilière Notre-Dame de Lorette. Avec l'abbé Bert, la villa s'agrandira et ouvrira ses portes à une colonie de jeunes parisiennes le temps des vacances d'été, dont l'encadrement était assuré par les sœurs de Saint-Vincent de Paul. Elle prendra alors le nom de paix Notre-Dame du Port. L'hébergement devait un jour, sans doute, devenir trop juste car, dit-on, les pensionnaires débordaient sur les villas voisines. Depuis, la maison a été remaniée. Des appartements y ont trouvé place et sont maintenant voués à la location saisonnière. Poursuivons noire promenade le long du boulevard et, à Pérès le lot 17 du plan, avant d'aborder Vallée des Menhirs, retrouvons emplacement de la villa Carlane, apte le Diana. 0 allée des Menhirs, c'est un procureur de la République de Tonnerre, d'ascendance écossaise, qui l'avait fait édifier, Monsieur William Patrick de Keating. Dès le début de la commercialisation de la dune, M. de Keating a fait construire, par l'entreprise Jamais, deux villas, sans doute en 1903, Carlane et Kerioni que nous verrons plus loin. Plus tard, la villa Carlane sera vendue à Monsieur Leblois, avocat à la cour d'appel de Paris. Ami et ardent défenseur du capitaine Dreyfus, Monsieur Leblois marquera sur le plan local, de ses divers dons à la commune, aux écoles communales, aux musées, à la poste, on garde encore, toujours ouvert au public comme l'était sa volonté, le petit square triangulaire. La haute l'avenue de Kermario s'ouvrant deux pour donner l'avenue du Parc et l'avenue de Port-Andreau. Ce petit square ne peut se manquer, car il est signalé par un menhir. Celui-ci n'est pas d'origine, bien sûr, il vient de Kerbachik, par un dolmen aussi, transplante également, il se trouvait au bas de Kerallan. La villa Kerlan a été démolie, la résidence du Grand Large l'a remplacée. Elle avait un toit de pentes inégales. Dans la pente la plus grande, tournée vers la mer, se nichait une importante lucarne avec fenêtre et appuyée. Comme sur les autres ouvertures, les linteaux de briques étaient arrondis en arc segmente. Au rez-de-chaussée, l'ouverture centrale avait la particularité de s'offrir un comme beaucoup de ses consoeurs. La toiture était en tuiles avec cheminée hache de corps soigne mais, à la différence de celle-ci, cette villa avait ses angles en tuffeau, formant ainsi une ligne verticale nette, ce mètre coxc06, ou 8 ritk, qui se poursuivait en dessous du toit et ombitque était là à tesser autour de la lucarne en un bandeau cloratif. Quelques marches permettaient d'accéder à la, et donc au rez-de-chaussée surélevé, dont la rambarde, faite de briques empilées, produisait son effet à l'angle du boulevard et de l'avenue des Alignements. Recherchons, existant encore et pratiquement dans son état d'origine, la villa Les Pins. Les quelques légères transformations n'ont pas modifié l'esprit de la construction qui était propriété d'un colonel de Verdun, M. Louis Plessier. La matrice cadastrale attribue à celui-ci quatre villas, une de 1902 et trois de 1904. Nous en verrons deux autres plus loin. La quatrième a disparu. Celle-ci, avec son style de pavillon, se rapproche de la villa Les Murets, déjà vue. Le concepteur est vraisemblablement toujours le même et l'on retrouve toutes les caractéristiques de l'époque. Toiture de tuiles, arc de briques aux ouvertures, volets de bois sur des façades enduites, et quelques marches pour accéder au rez-de-chaussée, mais les chaînes d'angle sont en fausse plein centre-pierre. L'interve de cette villa, comme pour rien d'autre d'ailleurs, allait recider, quelques années plus tard, dans son parc, boise, de pins maritimes, bien sûr,
qui s'étendait du boulevard jusqu'à l'avenue de Kermario. Encore quelques avenues transversales et nous nous trouvons devant cette grande bâtisse qui fut le premier hôtel de la plage, le Grand Hôtel. Il y a été inauguré dans les Fastes le dimanche 28 juin 1903. Il a pris ses aises sur une parcelle couvrant 10 ou 12 lots du plan et a été, dès l'origine, une réalisation de la société anonyme de Carnac Plage. La construction a été financée par une souscription auprès des actionnaires. Le capital social de la société ayant été augmenté pour la circonstance et aussi pour solder l'acquisition J de 14 000 F à 160 000 F. Les bâtisseurs, les frères Jamais toujours, qui étaient aussi actionnaires dans la société pour la gestion du grand hôtel, parc, terrasse et bungalow dans un milieu boisé, paysage par un choix d'essence végétale dont la vocation allait être de prouver le microclimat de Carnac. Face à la mer, cet hôtel se voulait être le haut lieu des rencontres et le centre de l'animation de la station balnéaire à créer. Des documents anciens nous montraient terrasse conviviale et ses agréables jardins. Dans un volume simple, et pas très important, mais d'esprit breton, le bécaillement pressentait une facette sans grande fantaisie. Un corps central avance avec fronton triangulaire et, de part et d'autre, un volume légèrement en retrait, offrant une symétrie parfaite avec deux travées de fenêtres et légers contreforts en rez-de-chaussée. C'est le rappel de l'abbaye de Kergonan. La maconnerie, tout en moellon assez grossièrement travail, lui donnait un air quelque peu austère et monastique. C'est dans ce B5-timent qu'a d'abord fonctionné l'hôtel. Puis en 1912, un agrandissement est venu apporter des améliorations à sa façade. Le fronton central a été légèrement remonté à change de forme et d'allure par l'adjonction du clocheton. Les seuils de seuf ont été ajoutés dans deux autres petits frontons, ainsi que les balcons, les contrevents. À partir de 1920, l'immeuble a accueilli une clinique et est devenu un établissement climatique où y officie le docteur Saint-Martin et quelques confrères. Les soins étant dispensés aux malades par les sœurs de l'ordre de Kermaria. Enfin, lorsqu'en 1928, la clinique Santé Anna du docteur Saint-Martin a été construite, avenue des Druides, le grand hôtel a dû reprendre sa fonction première, jusqu'à son acquisition, en 1953, par la Société nationalisée du Crédit Lyonnais pour son comité d'entreprise, maison de vacances. Passons une allée transversale, l'allée du Tumulus sur le vieux plan, allée du Cromlech actuel le nid. À la du Cromlech à l'angle se trouve une villa profondément remaniée. Autrefois la logette aux maisons du docteur de Beaumais et malgré une architecture assez sobre, elle avait du caractère avec ses pisseuses vivres surélevées. Sa terrasse prenant toute la longueur de la construction, bordée et soutenue par un muret de granit surmonte d'un parapet à pile de briques. L'escalier, de porte au bout du bérim, venait, à bon escient, casser la parfaite symétrie des ouvertures de la façade sur la mer. Toiture de tuiles à l'origine, façade enduite, chaîne d'angle en granit, décor de briques aux ouvertures, des constantes, et constante aussi cette faune de fer à parcre les occupants aux fenêtres pour prendre la photo. Sur la rire, à pentis de pierre, le propriétaire était de Vannes. Venait il en calche, la lecture de la façade actuelle permet de déceler facilement les modifications, le rehaussement, le rajout et les manques, le cropi, tiro passons une allée transversale, l'allée des Tététites-Muyennes sur le vieux plan, allée du Cromlech actuel le nid, allée du Cromlech à l'angle se trouve une villa profondément remaniée, autrefois la logette aux maisons du docteur de Beaumais et malgré une architecture assez sobre, elle avait du caractère avec ses pisseurs sages vivre surélevés. Sa terrasse prenant toute la longueur de la construction, bordée et soutenue par un muret de granit surmonte d'un parapet à pile de briques. L'escalier, de porte au bout du piment, venait, âge bon escient, casser la parfaite symétrie des ouvertures de la façade sur la mer. Toiture de tuiles l'origine, façade enduite, chaîne d'angle en granit, décor de briques aux ouvertures, des constantes, et constante aussi cette façon de faire apparaître les occupants aux fenêtres pour prendre la photo. Sur la rire, à pentis de pierre, le propriétaire était de Vannes. Venait il en calche, la lecture de la façade actuelle permet de déceler facilement les modifications, le rehaussement, le rajout et les manques, le cropi, tiro des premières villas de Carnac Plage un tel restaurant C61 à 7 NTS Carnac Plage, Morbidine, VVE Grévin. Proprietuire téléphonie VLectfié site lien Hélice, autant d'éléments montrant un profond remaniement. Au même niveau,
Sur la rire, au-delà de l'avenue de Kermario, on peut voir l'hôtel des Géhennettes, 4, 1. Il y apparaît sur le plan, mais en tant que simple villa, c'est ce qui a été sa première fonction. Cette villa, qui servait d'hébergement aux sœurs de Kermaria lorsqu'elles dispensaient leurs soins aux malades du Grand Hôtel, a été une réalisation et une propriété de la société anonyme de Carnac-Plage. Partie d'une villa donc, par des agrandissements successifs, les Genêts a eu ses heures de gloire et a bien rempli sa vie d'hôtel familial. La magnifique plaque de céramique est d'origine et prouve que le établissement, passant de villa à pension de famille, puis à hôtel restaurant, n'a jamais changé de nom. Maintenant, revenons au boulevard. Nous devons nous trouver devant les terrasses de la plage. Elles occupent l'emplacement de la villa Ker Stéphanie G. Stéphane qui avait déjà fait édifier Ker Eugénie. Avec sa toiture en ardoise et peu de décor, par sa sobriété, elle rappelait encore les maisons de la ville, évoluant cependant vers la villa de type pavillon. Constructeur inconnu, sans doute le maire ne que Ker Eugénie, mais il est peu probable que ce soit jamais. Marchons encore un peu, et nous arrivons pratiquement au milieu de l'arc de cercle très large que forme la grande plage. C'est l'endroit où, dès le départ, semble-t-il, les constructions se sont le plus concentrées, relativement. On va trouver, angle rue du Manette sur un terrain, petit, la villa Les Tamarisseux et, Ashliarir, un bâtiment annexe. Ce sont des édifices que M. Auguste Gem, négociant à Auray, avait place là. Le bâtiment de fond de parcelle était sans doute une remise écurie. Il y témoigne des moyens de locomotion de l'époque. Le voyage Auray-Carnac se faisait en caloche. Dobne cesside de loger le cheval. La villa se composait de deux corps de bâtiments, l'un profond, avec deux ouvertures en pignon, ce qui était assez rare, et l'autre à col, un peu en défonce, de forme plus cubique. La façade, de l'un comme de l'autre, s'ouvrait largement sur l'amont. Elle a perdu ses chaînages et ses arcs de briques, au rez-de-chaussée comme est l'étage, mais à garde son décor de briques sous la toiture et au-dessus de la lucarne. À remarquer qu'au un étage, elle avait une porte fenêtresse imposte plein cintre, ce qui était également assez rare, remplacée aujourd'hui par une fenêtre sans linteau, dans la une maconnerie plate. La villa suivante sera Ker Ionique toute proche. On peut la retrouver facilement car, si une extension est venue quelque peu l'encombrer sur la droite, le volume primitif est pratiquement dans l'état d'origine. Comme pour Kerlan que nous avons déjà vu, M. William Patrick de Keating a retenu les frères jamais pour faire construire Ker Ionique. Celui-ci vendra la villa à M. Bode en Rédé, industriel, filature la Bresse dans les Vosges, qui fera édifier, par les frères jamais, cette extension en tour cubique et assez élevée, qui existe toujours nécessite de loger une grande famille, mais aussi désir de se créer une vigie et voire odique. L'ensemble portera le nom de Ker Ionique et plus tard, lorsqu'il y aura repartition des biens de la famille, c'est le ultimement ou qui gardera le nom primitif. L'extension est de 1924, propriétaires et constructeurs ont eu le souci de reprendre les éléments décoratifs de la première construction en vue de créer une unité de style, une homogénéité par l'entourage des ouvertures, les lucarnes, les cheminées, les corniches et les balcons en huile ont surplombé la balle de l'étage, sa lucarne en capucine. Particularité aussi au balcon, dont les rambardes en tuiles ont forme claustra. Cet arrangement de tuiles sera reproduit par la suite, mais il y semble bien que l'on halte, la première réalisation. À part cela, nous retrouvons des éléments d'architecture déjà rencontrés, deux corps de briques empilés en deux grattes sous la fenêtre de la lucarne, comme au muret et véleda, les linteaux en briques et en arc, comme à la logette. Kerlan, les pins, une aile avancée par rapport à l'autre confortant cet aspect de pavillon, comme les murets, les pins, l'escalier de la terrasse d'air en bout, comme à la logette, rez-de-chaussée surélevé, comme dans toute. Les quelques lovites qui suivent sur le plan, ils deviendront, plus tard, propriétés de la famille Bode en Rédé. Et nous arrivons à la résidence La Brise. Cette résidence a remplacé la villa du même nom Marc déposé. Par sa maconnerie de granit à l'épreuve du temps, par les souvenirs accumulés par la famille Fournier qui l'a longtemps occupée, on aurait pu penser que cette villa avait enfoncé si profondément ses dents là d'une qu'elle est-elle à ancrer pour toujours? Mais non. ABM, I, c'est panico, j'leur de la dune, plan de symbole, que l'urbanisation et le pitinement ont fait disparaître. Un jour,
Les problèmes de succession, d'entretien et de gestion en sont venus à bout, comme pour beaucoup des villas de Mouly. Subsistent cependant, à l'angle de la Rossidence, seule et bravant les tempêtes, le pin maritime que l'on voit bien jeune sur la carte postale, à droite. Quelle est aujourd'hui sa promesse de vie? L'entreprise jamais en a sur la construction. Tout en pierre à la faune kergonae, modeste de façade, à l'image du petit manoir breton. La lucarne avait un fronton triangulaire. Les arcs de deux charges avaient-ils une utilité ou étaient-ils là pour le décor? Elle datait de 1902, avait été commandée par le colonel Plessier et était au nombre des quatre villas déjà évoquées à l'actif de celui-ci. Elle avait plusieurs fois change de nom, les Bleuets, Kerkati, La Brise. Une grande terrasse de bois, au niveau du rez-de-chaussée surélevé, occupait tout le devant de la villa. La cuisine, le logement du personnel et encore autre chose se trouvaient au sous-sol. Au cours des temps, La Brise avait reçu un agrandissement qui avait fait d'elle une villa importante avec Côte-Jardin, une façade riche et harmonieuse avant la rue du Bossonneau, Tiguen, maintenant Kermelenec. Par qui est-elle être construite? Peut-être par un monsieur de Frappé, qui était juge de paix à Quiberon, et déjà propriétaire du code de port Andrew Aubion-le-Sault. L'urbanisation a commencé plus tôt. Tiguen égale à La Blanche. Il y est vrai qu'avec ses murs enduits, elle s'opposait à La Brise, grise, la fantaisie était dans l'arrangement de briques bicolorant les horizontaux aux entourages des ouvertures et qui constituaient aussi les piles de soutenement de la rambarde de la terrasse, tandis que des tuiles, dans une composition différente de celle de Caire Ionique, donnaient un autre effet de claustral. La villa subira plusieurs transformations et même le rajout, en façade de bandes en relief pour suivre la mode du style basque des années 30. Résultat d'agrandissements successifs, le volume actuel est encore assez plaisant à regarder. La première partie, qui date de 1902, se retrouve au centre du volume actuel. L'un des propriétaires repeindra la villa en jaune et brun, ce qui lui vaudra d'être rebaptisé Kermelenec, breton, jaune 5 treux. Pendant la guerre de 1914-18, elle servira de clinique, en annexe virgule du grand hôtel, qui a aussi reçu des blesses convalescents. Passons la rue du Bossonneau, mais nous allons rester dans la famille Plessier avec cette villa de l'angle. C'est Ionique 4. Elle a par la suite été occupée par l'amiral Ray, époux Plessier. Elle avait le style d'une petite maison bourgeoise de la fin du 19e siècle avec façade simple, plate, aux ouvertures régulières entourées de granit, sur un rez-de-chaussée surélevé. Le remaniement lui a gardé un volume agréable de pureté et de simplicité. Le B5-timant a été et prem premier 1 et 13 secondes de vilain, I, A, R, N, A, un pied, un AC, remont 6 d'un tagé, H, cette occasion sans doute, a-t-il perdu son toit à H, 4 pentes et sa couverture de tuiles. La terrasse qui est d'origine, et le bossage du granit au linteau contribuent à attribuer la construction à change jamais. Retrouvons maintenant la sœur jumelle de La Brise, parfaitement concevée dans sa maconnerie de moellon gris. C. et Saint-Érouan, autrefois Ker Margaret, Tic, Ayen M. Encore une construction jamais, vers 1902. Est stade de notre visite, se confirme l'idée qu'il y avait, à l'époque, quelques plans types, genre appartement moins, proposage la clientèle, dans deux, ou trois, genre différents. 1. Pavillon. 2. Maison en granit, modeste manoir breton. 3. Maison bourgeoise, genre maison de ville. Ici, on est dans le type petit manoir. Et la singularité avec La Brise se trouve dans le toit à quatre pentes et l'arrondi des lucarnes. Peu de modifications si ce n'est le rajeunissement de la terrasse, l'ouverture des pisseuses du sous-sol et la reprise des lucarnes dans un arrondi plus important, la maconnerie soignée. Allons maintenant en bout du boulevard. À partir du bateau Lire, tout y a pointe, bordé par la rue de Gaumont et l'avenue de Kermario, avait été acquise en plusieurs fois par M. Félix Churchill en 1904. M. Félix Churchill, issu d'une riche famille écossaise, était un ancien horse-garde. Y repose aussi M. de Carnac dans son uniforme. On le trouve rentier ou loueur d'appartements meubles, venant de son château de Condroy et Brette-les-Pins, dans la Sarthe. Sur ses terrains, Félix, dit Sidney Churchill, a fait édifier la villa normande, représentée sur le plan, et démolie aujourd'hui pour faire place à un motel le bateau ivre. Sur le terrain qui jouxte, vendu sur le plan,
Et sans doute dans la foulée, Monsieur Churchill fait construire Kerivore qui est toujours là, mais n'apparaît pas encore sur le plan, ce qui pourrait la faire dater de 1905-1906. À défaut de la Normande, observons Kerivore qui est aussi dans l'esprit petit manoir, masse grise due à ses moellons de granit joint toit gris. Cette teinte particulière de gris due au mélange de choses agricoles et de poussière de charbon qu'utilisait Monsieur Jamais pour jointoyer ses moellons de granit. La véranda est pratiquement le seul élément qui n'est pas d'origine, et la particularité se trouve dans les ouvertures en arc-brise, que l'on trouve aussi à Tigoire et au château Turpot à Quiberon. Le mur de clôture est là depuis la construction de la maison et, contre celui-ci, deux bornoubides d'amarrage, avant 1840. Un étier passéen et la baie de Beaumère abritaient l'un. La véranda est pratiquement le seul élément qui n'est pas d'origine, et la particularité se trouve dans les ouvertures en arc-brise, que l'on trouve aussi à Tigoire et au château Turpot à Quiberon. Le mur de clôture est là depuis la construction de la maison et, contre celui-ci, deux bornoubides d'amarrage, avant 1840, un étier passéen et la baie de Beaumère abritaient l'un des trois ports de Carnac. Mais il est possible aussi qu'elle soit issue du bornage de la propriété de la société anonyme de Carnac Plage, plus importante que Kerivore, la villa normande, que nous montre la carte postale, est riche en details d'architecture. 10% des effets de toiture assez inhabituels dans une succession de petites lucarnes sur deux niveaux que venaient conforter de grandes chemikov pour 100 WKB, TAT époque un ec de hanec et un ec carcflé de granit. Des compléments de menuiserie réalisés en balcon, rambardes, escalières extérieures, de bords de toiture et au vent, apportaient la construction cette architecture inconnue au pays jusqu'alors. Tout pro se témoignant de la volonté de profiter au maximum de l'air et du soleil, une des caractéristiques de l'architecture balnéaire. Sur l'arrière, des communs, qui étaient destinés à loger domestiques, cochers et chevaux, ont été transformés en résidences secondaires. Pour faire ces constructions, M. Churchill avait acquis 3 hectares de terrine, c'est-à-dire l'extrémité de la dune plus toute la pointe de Beaumé, avec le corps de garde. Nous pouvons maintenant retrouver le man Tigoire 41, Stir la pointe de Beaumé. Propriétaire, M. Churchill, toujours. Constructeur, les frères Jamais, encore, mais qui est Cro, y est architecte. L'ensemble de la construction, datant de 1904, pourrait être d'inspiration écossaise. Pourtant un rapprochement avec le CH5 au Turpot, à Quiberon, est tentant et intéressant, étant, lui aussi, une réalisation des frères Jamais. De 13 nombreux éléments sont identiques. Silico Churchillquana, Iitieuei, Trpentf, des îles triant des architectures caractéristiques sont reproduits de la et autres peu de transformations sont venues perturber le B5-timon d'origine. Sauf la fermeture de la galerie côte ouest, le bardage côte ouest et la fermeture de la véranda à côte sli, tout en granit avec tourelle, bow window, galerie, au vent. C'est aussi un rez-de-chaussée surélevé. Au sous-sol, se trouvait cuisine avec monte-charge, logement de domestiques et autres choses. On remarque une varide dans l'entourage des ouvertures, au quart, en arc-brise ou cintre, comme la maconnerie tout en granit. Le jeu remonte à lutter la base, les gros blocs de pierres entourant les terrasses ont bien resisté à l'épreuve du temps. La distribution intérieure est, dit-on, très bien conçue. Tout proche, côte ouest, le bâtiment abritant les communs subsiste, et a encore belle allure. Le plan fait aussi apparaître quelques traces de construction, il s'agit d'un corps de garde, en plus petit, des batteries de canons qui ont existé. Nous pouvons maintenant revenir par l'avenue de Kermario. Avenue de Kermario, 11x, 7, L, Cassetron Place 1, 1, nous pouvons CL couvrir, parmi centilitres autres, mais en assez grand nombre, des constructions d'un type tout différent, des basquaises, des villas de type basque. Elles sont postérieures celles que nous venons de voir. Elles correspondent, en gros, aux années 30 et répondent d'une mode connue aussi dans d'autres stations balnéaires. Elles sont souvent les œuvres d'un entrepreneur de Xime génération de point Monsieur Morel. Les plaques apposées sur les façades, mais aussi le style, vous les feront sélectionner. Cependant, nous pourrons encore remarquer, au numéro 55, la villa à les trônes que vous pourrez reconnaître,
facilement maintenant, comme étant une construction jamais, avec pierres apparentes, lourds blocs de granit mélange, granit bleu et granit blond au bossage particulier, en encore bellement autour de la terrasse, joint 13 gris. Ce mélange de granit que l'on retrouve partout est dû au fait que les pierres provenaient de différentes carrières locales, mais aussi de Meaux, pierre bleue, et encore du Derochement de la Côte, le Genèse. Cette villa est aussi le siège de la Société anonyme de Carnac-Plage et doit dater de 1907. Ce pont constituait la limite ouest de I approprié de Sociétés anonymes à l'Imtel déjeuner, eux, descendant vers Pavenue des Druides. À Pérès à voir traverse-verse, à l'angle de l'allée Saint-Michel, nous nous trouvons devant le mur qui cernait la proprite Manéquise Nain Zéro, dont le premier propriétaire a été le comte d'Audifray, de Pluneray. L'imposante construction de granit n'a pas pris une ride malgré ses 100 ans. Elle n'a pas, non plus, subi de modifications. Seulement la proprite qui devait s'étaler sur 6000 mètres carrés a été morcelée, et la maison du portier, avec écurie et remise, est devenue résidence parentière. Elle reste cependant toujours incluse dans les murs d'origine de 1112. Carnac, plage Manéquer se n'encestir un terrain absolument de nut que CST assise cette construction grimpée à l'accord. Devant le grand W.O. Britannia qui fut détruit par un sanchant en 1941, au cours de la visite, H.C. Villa, vous avez trouvé des constantes, mais la plus constante de ces constantes, c'est sûrement le fait de voir dans toutes un sous-sol. L'épicerce à vivre étant surélève sixième. Pourquoi? Tout simplement parce que le sous-sol servait aux loges mérites ou aux occupations du personnel, mais, surtout, s'y trouvait la citerne. L'aménagement en eau courante n'est venu qu'en 1931. Voici que se termine notre périple. Ce circuit des villas carnacoises, avec sa vingtaine de haltes, nous offre donc un panorama de la richesse du patrimoine de la station balnéaire. C'est une architecture originale, tout en cire orientée vers la mer, la plage et les bienfaits du soleil et du climat. Un héritage digne.